Oula, j'ai affaire à une cagole, no way quoi. Non mais genre la meuf quoi. T'as un phallus, tour de pisse, ok, je porte à droite, derrière je te droite. Puis je suis hétéro, mais ça m'arrive de faire des soirées avec des gays, ça, je m'entends très bien, tu vois. Ouais, personne. Salut, t'es là, Jopinx ? Je voulais quoi, vous les boys, hein ? On aimerait parler à un staff. T'es sur le serveur B, tu vois ? Du coup, ouais, vous voulez quoi ? Ouais, mais t'as le rôle citoyen, on peut te faire confiance ? Non, vous me faites pas confiance. C'est pour un staff ? Il sait pas, c'est pour un staff. Hein. Non, c'est pour un projet de CNRP, en fait. On voudrait faire un gang de gays. C'est quoi le projet ? En gros, on va investir un quartier sur Los Santos et on sera que des homos. En gros, vous voulez faire un gang, quoi ? Ouais, un gang. Ouais. Ok, ça marche. Ah bah, vous voyez aussi avec Jason. Putain, mince. Je crois que ça plaît pas trop le... Ouais, je crois que ça vient pas trop plus le... Salut, hein. C'est Albert, je joue le RP d'un gay sur le serveur. T'es helper ou pas ? Non. Est-ce que je peux te solliciter, en fait ? C'est pour une aide, c'est pour un projet RP que j'aimerais faire avec des potes. Oui, quoi ? T'es gay ou pas ? Non. Est-ce que tu voudrais être gay en fille ? Parce qu'en fait, il nous manque 2-3 filles pour faire un gay. Des gays filles, je sais pas comment on dit. Ah, lesbienne. T'es chou, toi ? Merde, c'est un pige ! Attends, juste pour savoir, attends, avant qu'on aille plus loin, parce que c'est le projet RP, t'as quel âge ? Pas en RP, hein. Pourquoi tu dis que je suis chou ? Mais je sais pas, t'es qui en fait ? Tu es comme ça ? Oula, j'ai affaire à une cagole, no way, quoi. Non, mais genre, la meuf, elle bégait pour son âge, quoi. Dis-le que t'as 14 ans, hein. T'as jamais vu de tour de pise ou quoi ? Oula, laisse-moi me dire. Non, mais tu sais quoi, mute-moi, mets ta couche et va au lit. Tyler ? Pardon ? Ouais. Le mec dedans, c'est un troll. Ouais, t'inquiète, je le connais bien, lui, le petit Albert Marlowe. Et il vient me voir, il dit, ouais. Tu connais pas des gens pour faire des gens qui, je sais pas quoi. Non, on se connaît. Putain. Ouais, c'est Taylor. T'es chelou, toi, comme mec. Attends, Luna, 2 secondes. Taylor, move Luna en modération, j'arrive. Mais Luna, est-ce que je t'ai parlé 1 seconde ? Je t'ai demandé si tu voulais en être. T'as pas répondu, donc maintenant tais-toi. Arrête de me parler. Ta mère, je vais prendre ton IP, mon pote. Tu as plus avoir de connexion, mon cousin. Attends, pardon, Luna, attends, tu me fais des menaces de délit de service. T'as pas le droit de faire ça sur internet, je te dis direct, Luna. D'accord, okay. Et Albert, est-ce que toi t'as le droit de troll des gens directement là comme ça sur des serveurs ? Je troll pas, c'est pour un projet, je viens de te dire, idiot. D'accord. Non, mais. Non, mais j'ai une question, Albert. Est-ce que t'as le droit de faire des streams avec la voix des gens derrière ? Bien je crois qu'on est pas connu pour penser la dernière fois après que tu nous aies fait. Ah, hein, tu m'as grillé. Ah bah c'est ça, t'es content. Oh, c'est tu dommage. Passes à la télé. Parce que sans autorisation des gens, t'es pas le droit d'utiliser leur voix légalement. Oh, si. Bah, bien sûr que si, j'ai le droit. Hein. Bah, et tu sais quoi, avec ta gueule, je vais en faire plusieurs best-of. Je vais gagner beaucoup d'argent sur ta gueule. Ah, bah, oui. Oh, tu sais ce qui est marrant par contre, c'est que j'ai des contacts, tu vois, qui travaillent chez Twitch. Donc ta chaîne, tu peux déjà lui dire au revoir aussi. C'est vrai, je pourrais dire au revoir. Oh, j'ai peur. Oh, tu me fais une menace de ban. Comme si j'en avais pas tous les jours. J'ai trop peur de toi. En fait, t'as un gros clochard en fait. Et tu veux quoi, la cagole là ? Attends, je te permets pas de me parler comme ça. No way, ok ? Oh, Albert, just shut up, ok ? Just shut up. Voilà, Albert, maintenant je te dis que tu vas entre toi et moi. J'ai appris que t'avais bien baissé sur les genoux. Ah, mets-toi sur tes genoux, mets-toi sur tes genoux, t'inquiète pas, j'arrive. La bonne foutrine. Albert. Il y a un moment, t'as quel âge réellement ? On va parler réellement. Moi, tu veux savoir absolument ce que j'ai quel âge ? Je traîne sur Saint-Michel. En haut, c'est le Marais. C'est mon quartier. C'est mon dernier dada. Ça, j'en ai rien à foutre, mec. Moi, je veux juste savoir quel âge t'as. C'est le genre de mec qui te ride, ok ? T'as un phallus, tour de pisse, ok ? Je porte à droite, derrière, je te droite. Bien sûr. Il est fou, ce mec, enfin, c'est comme... Luna, arrête de parler, je sais que t'es même pas épilé. Je sais que t'es tibia, à mon avis, quand on y touche. Et t'es mollet, ça fait Albert. Pipique. Et Albert, franchement, je vais te dire en un truc. En fait, la vie de ma mère, ton IP va vite partir sur Darknet, mon pote. Non, mais Luna, attends, deux secondes. Albert, il est 2h du mat', j'ai pas envie de me prendre la tête, tu vois, là, il est 2h du mat', je suis pas en rôle de star. T'as la bonne taille pour doiter notre ami Mimati, alors ferme-la. Tu cherches le buzz sur Facebook, Luna, ou quoi ? Attends 2 secondes, je suis en train de régler un problème avec notre... Just backside, please, ok ? Backside, just backside, ok ? Ok, Albert, maintenant, tu en vas parler sérieusement entre toi et moi, d'accord ? Non. Oh, tu veux pas être d'accord ? Bah c'est dommage parce qu'en fait t'as pas... Attention vraiment... Et... muté ! Voilà, je t'entends plus. Ah bah c'est bien dommage pour toi, bah écoute, dans ce cas-là, c'est salut Albert. Salut Albert. Il va pouvoir expliquer notre background. Salut Albert, ça va ? C'est notre chef. Alors, j'ai affaire à qui en fait là ? Tyler. Ah, Tyler. Ouais, Tyler, l'admin du serveur. D'accord, enchanté. Donc le projet, je t'explique, hein. On a fait ça sur d'autres serveurs, ça s'est très bien passé. Donc le problème, c'est qu'on a déjà on est en overscène en fait. On a fait beaucoup de scènes, et en fait, c'est pour un projet, on a une chaîne YouTube, etc. Donc on voudrait caler en fait une histoire d'un gang. En fait,
qu'on est tous des homos, il y en a plus ou moins, il y a des big, ouais, homo, overflax, tu vois. Trans aussi. Tu comprends. Mmh. Plutôt fluide. Trans, LGBT, communauté over trans, plutôt smooth, c'est ce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. On fait essentiellement du serious, donc des fois on peut partir un peu en overtroll, mais ça c'est voilà. Quand par exemple j'ai envie de sucer un mec, là on fait une scène rigolote sur l'instant, quoi, quand on est en override. Donc on est un petit peu des fanfreluches, quoi. Voilà. Donc vous restez dans le cadre du RP. Exactement, donc le but c'est pas non plus de faire du sexuel, parce qu'on sait très bien qu'on a déjà été sur des serveurs, il y avait des mineurs, etc. On voulait faire quelquefois un peu de violing avec des jeunes, ça s'est pas très bien passé, donc maintenant on s'est ravisé, on essaie de faire des choses vraiment background, borned, tu vois. En général, on se donne en spectacle, quoi. Par exemple, on se met devant l'unicorn, on se met torse nu, on a souvent des strings, voilà, on se touche, et les gens nous regardent, donc on fait des petits spectacles, voilà, exactement, ça fait des souvenirs aux gens, ça leur fait des petites scènes sur leur chaîne YouTube, des streamers, etc. On est connus, reconnus. Ouais, donc on m'entend, donc en fait, on est tous du marais, on a un collectif en fait qui traîne souvent à BHV, acheter de la déco un petit peu, tu vois, un petit peu, comment dire, girly. Donc pour la plupart, on est vraiment passif, c'est-à-dire qu'on voilà, on se fait dominer. On a quelques personnages qui vont là jouer un petit peu actifs, c'est-à-dire assez viril, des gars du 18e qui viennent à Saint-Michel, qui nous prennent, tu vois. Et là, on est en vacances. On est en vacances Los Angeles, Miami, tu vois, c'est la fête, c'est la télé, c'est le cinoche, on essaye de bien faire les choses, s'influencer, tu vois, un petit peu Gossip Girl. Donc voilà, le but c'est de créer voilà, une aventure là-bas, un petit peu comme la télé-réalité, un petit peu Nabila. Là, on est en semi-whitelist, donc en fait, vous pouvez accéder au serveur. Nice. Ouais, GG. Ah ouais, super. On vient d'y passer, par contre, bah, forcément, vous êtes sur une liste qui veut dire que bah, on est quand même attentif à ce que vous faites. Super, mais super. Ni plus ni moins, en fait, là, bah, le fait de vous présenter, de présenter vos personnages, etc., on va pas considérer que c'est une whitelist, mais presque, dans le sens au moins où moi, ça me permet de tous vous rencontrer. Et vous vivez de quoi, entre guillemets ? Alors, ça, c'est moi qui m'ai suis occupé du background par rapport du gang. À l'argent. Ouais, alors en fait, c'est très simple. Nous, la drogue, c'est not possible. Genre, on touche pas à ça. No way. Genre, ouais, no way, ouais. On touche pas. Ça colle pas à ma religion. drogue, c'est à part la coque. C'est halam. Moi, je fais des shows de pole dance. Ensuite, notre principale source de revenus, ça va être tout ce qui est matière. Donc, cachemire, velours, vraiment toutes les matières qui sont de la soie. Un peu comme la vente à domicile qu'on retrouve chez certaines demoiselles. Donc, c'est nous qui s'en occupons. Donc, on vend des godemichés, etc., de léopard, des strings, etc., des demoiselles. Donc, on fait un peu de vente. Des menottes aussi, Toby, chouchou. Ce qu'il faudrait faire, c'est vous choisir à tous un nom RP. D'accord. Comme l'a fait Albert Malraux. Albert, ouais, c'est toi, nous. Tu gardes ce pseudo du coup, Albert, ou tu changes? Non, parce que là, c'est un perso que, en fait, que je joue plus que des fois à temps partiel. Je joue un autre perso qui est un peu plus vieux, c'est-à-dire la quarantaine, etc. Plutôt actif hein, du côté du sexe. Donc là, vraiment, on va changer. Là, ça va être vraiment le côté fragile, le côté un peu overpussy. Pour me libérer. Est-ce qu'on peut lui parler des soirées phallus qu'on fait? En fait, je t'explique. Pas à la plage, ça mange tous. Les bars et on se met, on essaye d'avoir quand même un caméraman qui puisse nous filmer parce qu'on essaye de faire la forme d'une verge. En fait, tout au long de la plage, on essaye de prendre des figurants avec nous puisqu'on est, voilà, il n'y a pas tout le monde. On fait la forme d'une verge avec les deux énormes couillasses. Donc le but, voilà, c'est de créer un event et de créer vraiment de choquer, d'interpeller un peu les autres joueurs d'RP. Ouais. En fait, vraiment, faut dire qu'on est assez exotique, assez ouvert d'esprit. On casse les codes, on casse les codes. On sensibilise. En parlant de sensibiliser, je comprends. Tu me l'as bien sensibilisé hier soir. Je prends les grandes lignes. Tyler, c'est tout rose. Les scènes de violing, Tyler, c'est autorisé ou pas? Entre nous, je respecte. C'est bon, entre nous. Entre vous, ça reste. Voilà, nous, on veut pas tellement d'histoires de ce genre. Tout ce qui peut toucher à. On fera en sorte qu'il n'y ait pas de mineurs autour de nous, t'inquiète pas. Sinon, vous regarderez quand même un petit peu notre site internet. Dans le sens où il y a une boîte de nuit aussi. D'accord, une boîte de nuit, bah ça c'est notre univers. Hein. Salut Billy, voilà. Tu vas pour le coup, bien. C'est une boîte de nuit qui est. Enfin, où il y a un patron. Je voulais savoir, Tyler White, à l'unicorn, est-ce que le coït anal est autorisé? Vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une animation sur GTA, vous l'avez codée pour nous? Non. Et la pédophilie? Ça fait partie des trucs qui sont interdits. Et ce genre de choses, que ça soit pédophilie, homophobie et racisme. Alors, pédophilie, c'est autre chose. En fait, on fait ça sur un nain. En fait, il y a une personne qui va jouer le rôle d'un nain. Bon, j'espère que tu pourras le coder. Et on s'amuse avec lui. C'est-à-dire, comme il a la bonne taille au niveau des bouliches, on peut faire du rim job. C'est-à-dire, en gros, le rim job, c'est de la nulingus, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on peut reprendre nos voix normales. Je vais reprendre ma voix. Donc, voilà, c'est le projet. En fait, Tyler, on aimerait faire sur le serveur. Est-ce que tu en es ou pas? Ouais, le RP. Ça va ou quoi, la famille? Bien. Le RP, il est débarque, quoi. En fait, nous sommes des amateurs de théâtre, effectivement, parce qu'on est dans des compagnies. Moi, je fais partie d'une troupe, par exemple, près de Caen. Donc, ça m'arrive souvent de jouer plusieurs rôles et de m'amuser avec ma voix. Donc voilà, Tyler. D'accord. Ah, parce que, gros, nous, on est déjà allé sur certains serveurs, il y avait marqué pas de gay.
Ouais, je suis choqué. Ça m'a choqué de ouf. Non seulement on va pas vous dire on veut pas de game, en plus je vais pas dire qu'on va vous défendre, mais dans le sens l'homophobie c'est impossible. Donc si vous avez des problèmes de ce type là, on est là. Okay. J'attends de voir ce que ça donne. Sceptique, je sais pas, je connais pas. Après t'inquiète, on se la met entre nous, on te la mettra ouais. pas. Ouais. S'il y a des en général nous. Non, moi il m'excite bien, du coup peut-être que enfin. La Freddy l'a fait. Non, non, on va pas demander à un modérateur de jouer les scènes avec nous, c'est bon, c'est enfin, c'est confusion. C'est seulement si t'acceptes, pas... hein, c'est seulement si t'acceptes. T'es attiré, pas... par, t'es attiré par les milieux... C'est pas ton délire. Enfin, moi, personnellement, je suis hétéro, mais ça m'arrive de faire des soirées avec des gays, ça, je m'entends très bien, tu vois. Moi, personnellement, je me dis que c'est de la peau, et après j'y vais, quoi. Titi, Tyler, ça te dérange si je t'appelle Titi? Mignon Titi, j'aime bien, moi. Attends peut-être de me connaître, non? Ouais, je suis pas... Attends qu'on se croise, parce que là, t'es tout de suite intime, c'est comme si tu me caresses. C'est le cul le jour où tu me rencontres, ça me fait bizarre. Oh, une petite phalange, je serais pas contre Tyler, ça va te détendre. Moi je trouve. Ah, du coup, vous êtes 7. Ouais. En fait, ouais. On est comme les 7 nains. Comme les 7 phalanges dans ton cul. Toujours le mot pour finir. Ouais, de base, on est 8, tu vois. Mais on a dû en virer un parce qu'il a fait des trucs un peu zoophiles en roleplay et il nous a fait un peu large chômage, tu vois. C'est surtout que sur une scène, il m'a branlé avec du barbelé, donc ça l'a pas fait. Moi j'étais surpris sur le coup, j'ai pissé le sang. Plus à chaque fois qu'on faisait un truc avec en scène, là, il le faisait avec son chien. Ouais, il faisait des trucs de zoophile, ouais, c'était chaud. Mais ça, c'était 30 scènes, ça, non? Ouais, c'était 30 scènes. Ouais, c'était 30 scènes. Je vous laisse de toute façon vous accéder. Oh, génial. Vous accéder. On me laisse pas t'accéder à ton petit adu. Si on peut accéder à autre chose, vous me perturbez, les gars, c'est ça. Moi, donc c'est pour ça que je dis que vous me perturbez. Bon, on casse les codes, quoi, comme on casse des culs. Tu aimerais bien casser mon petit. Sinon, Tyler, pour en revenir à la présentation, moi, c'est Billy, j'ai 22 ans. Dans la vie, j'aime bien le VTT, je fais du handball. Ah, tu fais du vélo parce qu'il y a des pédales. Et puis qu'est-ce voilà, sinon, rien d'autre de particulier. Vas-y, Albert, présente-toi comme ça, on fait dans l'ordre, on fait en descendant. Non, mais j'ai un peu tout dit, voilà, je fais du théâtre, je fais quelques courts-métrages, hein, j'en ai déjà fait quelques-uns un petit peu olé-olé. Hein. J'ai déjà montré les vidéos à certains collègues, ça les a un petit peu surpris. Hein, donc on peut dire que le métrage n'était pas court. Hein. Ouais, on va dire qu'il y a quelques gros plans, Tyler. Oui, il était assez loin, oui. Après, concernant ma vie privée, je suis célibataire. J'étais avec une demoiselle il y a quelques temps. Bon, ça n'a pas duré. Puisqu'elle s'est rendue compte que j'étais plus attiré, enfin, ces derniers temps, un peu plus par les mecs. J'ai essayé de m'ouvrir, quoi. Je ne veux pas non plus trop écarter mon cul parce que j'aimerais bien chier droit, quoi. Tyler, je peux te poser oui. une question? Oui. Je peux glisser dans tes DM? Non, Freddy, alors là, quand ça part comme ça. Freddy, on n'est pas en replay. Comme ça, c'est intenable. Intenable. No way. Et toi, Tyler, présente-toi parce que voilà, on parle de nous, mais. Comment tu veux que je me présente? T'as quel âge d'abord? J'ai 34 ans. Ah ouais? L'homme mûr. Petite mille. L'expérience est sympa. Ça vous plaît? Et ta morphologie? Ah, il veut savoir au niveau de la beauté, en fait. Hein. Ouais, voilà. Au niveau de la beauté, on veut savoir. Autant le RP que vous pouvez faire me dérange pas, autant j'ai pas tellement envie d'y participer. Moi, vous je pense que tu nous bannes pas. Je pense que tu nous bannes pas aussi parce que tu vois un petit peu la qualité du roleplay. T'as pas les couilles, clairement. Je préfère te le dire. Je pense que t'as pas les couilles. Ouais, ouais, pas... Qui c'est qui a dit ça? Ouais, Billy, calme, frérot. Parce que vas-y, chez tu montes. Calme. Ah, Billy, tranquille. Billy, retourne sur ton vélo et ta selle là. Excuse-toi, Billy. De vélo, il fait le malin là. Non, c'est bon quoi. À chaque fois, c'est tout le temps pareil. Mais ça, c'est parce que tu fais du vélo sans la selle, forcément. À un moment, tu dois t'asseoir. Ouais, bah voilà. Il y aurait la selle, au moins, il la mettrait dans son cul. Hein. Et ouais, ça le calmera un peu. Allez, Billy, va te coder, arrête de t'énerver comme ça, s'il te plaît. Ouais, donc il y a combien de personnes sur le serveur là? Il y a plus grand monde, je crois, parce qu'il est 2h. Ah ouais, d'accord, le serveur en underbuzz, super. 4. Bon, les gars, je crois qu'on n'a pas choisi le bon serveur. Bon, on le testera ultérieurement là, on va aller sur un autre serveur, je pense. Ah, moi j'ai bédé votre. Tyler, I just wanna say thank you. On repassera ultérieurement, Tyler, pour quand il y aura plus de monde. On mettra ça à l'œuvre, tu vas rigoler, tu vas aller tranquillement. Allez, thank you, bye.